Bonjour, je suis Nicolas Pourchoas et pour les supermarchés Match, je vous présente aujourd'hui les cailles confites à l'huile d'olive et sauce noire. Pour 4 personnes, 4 cailles, 1 litre d'huile d'olive bio, 100 g d'olive noire dénoyautée, un citron, une botte de menthe, une pièce de chou rouge, un oignon rouge, 50 g de miel liquide, 1 décilitre de vinaigre balsamique. Je vous propose une recette à base de caille. Je vais vous apprendre et je vais vous montrer comment décortiquer la caille et ensuite l'amener à confire tranquillement dans l'huile d'olive. On l'agrémentera d'une association de chou rouge, d'olive noire, de menthe, de jus de citron et de miel. Avoir quelque chose d'assez sucré salé, mais intéressant pour la période des fêtes. Il y a une technique importante, c'est la technique de désossage des cailles. Pendant ce temps-là, je vais mettre en chauffe mon huile d'olive où vont confire les cailles. Donc on prélève les cuisses. Voilà, elles ont été désossées. Elles sont déjà vidées. Très belles. Choisir une caille bien grasse. Ensuite, ici, on va prélever ce qu'on appelle le bateau dans notre métier. Tac. Voilà, et comme ça, on prélèvera toute la partie charnue qui est ce qu'on appelle sur le bateau. C'est le petit coffre qui est là. Je contrôle si au niveau nettoyage, tout a bien été fait. Donc on réalise les quatre de la même façon. Donc voilà, nos cailles sont prêtes à être confites. Je vais les placer dans mon huile d'olive qui est tranquillement en train de monter en température. Là, je suis sur 4 sur ma petite plaque à induction. On va également mettre les cuisses. Tout sera assaisonné en fin de cuisson. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes olives. Un jus de citron. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Il nous reste maintenant à réaliser notre chou. Voilà. Donc je lui prélève une partie. Je lui enlève les premières feuilles périphériques qui sont souvent très 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 dures. Voilà. On essaye de ne pas prendre les grosses côtes, pas intéressantes, très très dures, très fermes. Donc voilà, j'en ai assez. Je vais pouvoir préparer mon oignon rouge qu'on gardera cru pour la recette. En fait, il viendra être ciselé très très fin au dernier moment. Je vais pouvoir faire un bon coulis d'olive noire. Je prépare ma poêle tout doucement pour préparer la cuisson de mon chou rouge. Je vais pouvoir démarrer mon chou, donc poêle très chaude. Donc on va avoir une cuisson très 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 rapide. Le but est de le garder croquant. Il y a poivré pour que le poivre puisse torréfier un peu avec le chou dans l'huile. Des glaces au vinaigre balsamique. Laisse bien réduire complet. J'ajoute le miel. Et voilà, notre garniture de chou est prête. Voilà nos cailles en fin de confisage. On va les laisser un petit peu revenir à température. Les cuisses mériteraient un petit peu plus de cuisson parce qu'elles ont, elles ont une chair un peu plus ferme. Donc on est prêt à dresser notre chou, notre menthe qui va venir dessus.
Voilà. On va venir lui disposer un tout petit peu d'oignon râpé. Et je vais prélever le suprême d'une caille. Voilà, l'assaisonnement, fleur de sel, poivre du moulin et la touche avec sa sauce aux olives. Et c'est terminé. Voilà.